Bonjour et re-bienvenue à la webdiffusion de la radio Piranha Sport de l'ETS pour la diffusion du match tant attendu, la finale de soccer entre les Piranhas de l'ETS et le Gigi de Ottawa. Les Piranhas qui joueront en bleu et le Gigi en blanc. On vous laisse sur les images et les commentaires d'Alexandre Richard. Bonjour, alors j'espère que vous m'entendez bien, Alexandre Richard. Non, ben, du vent. Donc, on a vu Ligue nationale là, jouer le match contre Gigi de Ligue nationale d'Ottawa. Au classement général, c'est pire à l'anglais de faire. On rappelle les résultats, donc hier, les Gigi ont vaincu en deux fois le temps de la par la marque de 2-0. Tandis que les Piranhas Tandis que les Piranhas ont signé un gain de 2-0 face au torrent de Lito. Tout juste avant ce match, le match de la médaille de bronze s'est joué entre Lassalle et Lito. C'est finalement le collège de Lassalle qui signe sa première victoire de la saison. Face au terrain du coup, également dans le match de l'Ajour. C'est très bien, la salle s'appelle de la place, de la France, de la France. Alors le match qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment la finale entre les Gigi et les Piranhas. Pas vraiment de favoris pour le match avec moi, et Khalil El-Mekhali, voire blessé des Piranhas de PS, qui va être avec nous très bientôt. Ah, on me dit à l'instant qu'il est arrivé. Salut Khalil! Ouais, salut Alexandre! Ah, ça va super bien, donc on a une super de belle température pour un 13 novembre pour cet affrontement final. Donc, on rappelle le championnat universitaire du PNJ, donc une ligue cette saison, la première édition de cette ligue. Là, les Piranhas les Gigi vont s'en sortir les premiers dans le monde. Donc, Khalil, qu'est-ce que tu dis? Oui, en fait, les deux entraîneurs ont quand même assez bien préparé l'équipe en tant que telle. Puis on voit depuis certains temps en tant que telle, la chimie commence vraiment à être très présente. Au niveau des 11 partants sont quand même
les gars s'entraînent ensemble. Donc, ils sont fin prêts pour ce match crucial. Et voilà, donc le match qui commence à l'instant. Le PS prend possession du ballon. Petite information importante, donc le PS qui est en bleu pour ce match, alors les Vikings revertiront l'uniforme blanc. Là, pour l'instant, je vous dis de tous au centre du on est un on veut trouver l'espace sur la gauche. On peut fixer le défenseur pour tirer. Et puis en fait, Alex, comme on peut le voir, la clé du jeu pour Ottawa, c'est vraiment la contre-attaque en tant que telle. C'est une équipe au niveau construction. Ce n'est pas leur force en tant que telle. Donc, ils vont essayer de profiter de chaque petite ouverture que les Piranhas pourront leur donner. J'attends ça parce qu'on voit que le test joue quand même une pression assez haute. Et là, on voit qu'il y a un balancement de ballon. Puis, Ottawa devrait jouer de cette façon-là pas mal tout le match. Donc, on va voir comment ça va se dérouler. On m'a dit que le test est un équipe qui veut beaucoup de ballons. Est-ce que c'est vrai, Colin? Oui, exactement. En fait, les entraîneurs prônent que le jeu par le milieu. Vraiment, de au milieu défensif, au milieu central. C'est vraiment la culture pour le test. Donc, tu veux dire, construction de ballon, vraiment, c'est le jeu vraiment dans le test. Donc, le mieux pour Ottawa, ce sera bien entendu de faire le centre, puisque les trois milieux sont pour le test. C'est quand même extrêmement technique, plus ils peuvent jouer une touche, deux touches maximum, s'ils ont besoin. Donc, Ottawa devra quand même faire attention à tout ça. Parfait. Et toi, Camille, est-ce que tu as eu la chance cette année d'affronter les deux? Non, malheureusement. Pour le match, comme je disais, le 11 partant est quand même connu. Puis, comme c'est des matchs assez importants, l'entraîneur voulait jouer sur les vétérans en tant que tels, puisque les deux défenseurs sont trop Yanis. Dimitri sont des vétérans pour les deux, donc vous pouvez compter sur ces deux-là principalement. Ah, parfait. Donc, pour l'instant, les deux équipes qui s'étudient, qui tentent de trouver des ouvertures, on va regarder peut-être quel système de jeu l'adversaire va adopter. C'est d'établir des bases pour la rencontre, donc le jeu qui se passe principalement au milieu de terrain. Comme on peut le voir, le numéro 5, le défenseur d'Ottawa qui est vraiment la clé en défense pour eux. Si lui connaît une mauvaise rencontre, ça risque d'être long pour Ottawa. On va voir une touche qui a été commise dans le territoire Canada. Puis ça va donner un coup franc assez dangereux. On sait que le placement défensif sur les coups francs est quelque chose d'assez important. Puis les Canadiens ont mis leur face sur ça pas mal toute la saison, puisque c'est des jeux qui peuvent être mortels pour l'équipe. Donc là, on voit que tout le monde se parle, tout le monde doit être sûr qu'ils sont tous bien placés. Puis ça semble être le cas sur ce jeu-là. Ouais, au niveau de la défensive des Piranhas, avec le gardien qui est magnifique et très vocal, je dois avouer que moi aussi, je me placerai assez rapidement sous les directives de Clément, qui est très directif, qui est de l'un à trois. C'est joué le bon bandeau. Donc une belle percée de l'OTS grâce à un jeu combatif d'Arnel sur le flanc gauche. Malheureusement, peut-être une petite confusion en tombant sur ce look. Bon, ici, Marc-Olivier, le défenseur droit, recrue, il a connu une saison phénoménale. Puis ça, c'est peut-être une vraie révélation. Personne ne s'attendait réellement, mais il connaît une saison formidable. Il pourrait être un candidat au recrue de l'année. Ah, ben oui, certain, sûr et certain. Même honnêtement, certaines personnes parlent de même joueur aussi de l'année Piranha au niveau de l'équipe de soccer. Honnêtement, il a été extrêmement solide. Puis la place est 100% méritée dans son club. Calil, je me demandais entre Omar et Jean-Cédric, qui est l'attaquant de pointe, est-ce qu'il y en a un clairement identifié? Oui, en fait, c'est Omar qui est le
l'attaquant partant. Et puis Jean-Cédric, des fois sur des changements, si on meurt, par exemple, subit une blessure ou l'entraîneur décide d'apporter un changement tactique, par exemple sans Romain, là ça va être Jean-Cédric qui est, si tu veux, le deuxième attaquant qui va, après ça, coulisser vers le centre pour jouer comme attaquant. Mais là, pour ces matchs-là, il semble être à son poste en tant qu'équipe. Ça risque de durer pas mal tout le match, honnêtement, puisque c'est une équipe qui n'hésite pas à le lever le pied, si je peux le dire. Donc ça va faire mal. Je pense que les deux sont bons. D'ailleurs, en saison, ils se sont partagés les honneurs de leur série 3, donc une victoire, une défaite, une nulle entre les deux équipes. Se sont affrontés à trois occasions. Ça n'a rien de moins qu'une finale de l'Est. Oui, exactement. En fait, il n'y a pas vraiment eu de surprise quant à la finale, puisque ce sont les deux meilleures équipes qui s'affrontent finalement. C'est pour ça qu'on va probablement avoir un match extrêmement relevé, avec un bas pointage probablement, parce que les deux équipes ne risqueront pas d'ouvrir le jeu à 100%, puisqu'une contre-attaque pourrait être extrêmement fatale dans les deux. Oui, en fait, la clé pour Armel par rapport à ses qualités techniques, c'est vraiment un dribbleur né en tant que tel. Voilà. Il va quand même essayer ça beaucoup de fois durant un match. Puis s'il est lancé en pleine course, un contre un, souvent il gagne ses duels. C'est pour ça qu'il est un joueur extrêmement dangereux sur les phases contre-attaque. On ne va pas hésiter probablement du côté Piranha à lui envoyer le ballon s'il est en pleine course. Faute de Barthawa, il s'est joué rapidement. Barthawa qui trouve dans ce look. Ça semble passer, va-t-il? Tu le cadre de centrer le ballon, oui. Il n'y a pas les gars de trouver un ballon. C'est isolé un peu plus loin dans la zone. Il peut intercepter le ballon. Premier! Hey!
Parce que
énormément, extrêmement de frustration peut subvenir. Pas mal toutes les équipes ont été frustrées par leur jeu puisque ils ferment le jeu puis ils jouent seulement en contre-attaque. Donc de ce côté-là, t'as beau passer de pas mal tous les côtés, souvent avec Ottawa, ils ferment beaucoup de jeu, donc ils vont aussi poser quelques surprises à Ottawa, comme on vient de voir ici, ferme ça, plusieurs contre-attaques. Donc là, leur fameux attaquant ici, une autre contre-attaque décisive. C'est vrai que le poste pour jouer contre Ottawa, puisque c'est le seul jeu qu'ils ont. Deuxième compte très solide de le bon côté des choses, c'est qu'on est tôt en match. Il reste beaucoup de temps encore pour les Piranhas pour s'en aller. Allez, les deux revirements. Les Gigi's ont été utilisés deux fois par leur attaquant. Quel était son nom? Timmy. Le test. Les atouts nécessaires pour revenir certainement si ce n'est pas dans le 11 partant sur le banc aussi quand même une équipe avec beaucoup de talent donc ça va être certainement pas fini de ce côté là. Profite de chaque occasion. Ouais, c'est ça exactement, c'est pour ça qu'on a quand même le test jouer un petit peu sur les talents parce qu'ils ne veulent pas se lancer en attaque directement parce que les contre-attaques peuvent être décisives du côté de l'université de Ottawa, mais de côté on n'aura peut-être pas le choix vite puisque c'est le 2-0 donc il faudrait commencer quand même à marquer des points. Créer des occasions à tout le monde pour ébranler les réflexions de l'autre. Plus qu'à présent, pas vraiment été oui, vraiment, mais comme on disait tantôt, le test a quand même beaucoup de talent. L'équipe la plus talentueuse dans la ligue. C'est pour ça que les équipes jouent un système de jeu extrêmement défensif contre les Piranhas qui n'osent pas vraiment couvrir le jeu par eux-mêmes puisqu'ils savent que ça peut leur coûter extrêmement cher. Donc, il faudra juste trouver un moyen, comme tu dis, imaginatif. De percer le centre. Le jeu TS passe vraiment par le centre. Arrête de parler, les gars! Ça serait quand même frustrant. Parlez pas! Mais non! Il va dégager. Thank you.
Ce défenseur, on a Arnold qui s'amène en surface. Est-ce qu'on va avoir réussi à se rentrer à 7? Ça va repris au pied par Clément sur un coup qui bouge, mais là le TS vient d'entrer dans le choc. On va se débrouiller à 10 contre le restant de la finale. Ici on remarque que les entraîneurs ne sont pas vouloir effectuer de changement, donc on va probablement rester à 3 défenseurs en arrière. Une décision comprenable de la part des entraîneurs puisque c'est 2 à 0 pour les. Donc il y a un petit sentiment d'enfant sur le fait qu'il faut marquer des buts qui s'installent. Donc les entraîneurs ont pris une décision de ne pas faire entrer un 4e défenseur. La tâche s'annonce lourde pour les Piranhas. Merci. Thank you.
centre de ballon. Jason, Jason, le défenseur. On va voir son nom. Jesse, désolé. Jesse, désolé. Pas encore appris les noms. Les joueurs des GGs sont retardés. En milieu de terrain, Dimitri. Puisque Thomas, pour lui, c'est vraiment...
opportunité de Bourdissier, même si le problème de Bourdissier est un autre. L'entraîneur ici qui met son dossard, est-ce que Racine pourra embarquer ça? Il m'a dit à l'oreille qu'il était un bon joueur dans son temps universitaire. Je pense qu'il était gardien. Parce que toute la saison de test,
reste extrêmement mouillé selon les circonstances du match. Donc, une contre-attaque de la part de l'ETS ou un jeu bien fait pourrait certainement venir par un coup. Fin de la première mi-temps, 3 minutes à l'exception des arrêts de jeu. Good.
temps de mi-temps, ça doit être vu dans 5 petits. Choisi pour être l'élite de l'ETS dans le monde du sport. Ah bon? Oui, bon, surtout pour être l'élite de la connerie aussi. Ah, ouais. Ah oui. Toi, ta gueule. Vous avez été choisi par Radio Piranha Sport pour faire partie de l'émission la plus délirante du moment. Ok? Il nous faut un gars qui s'y connaît en sport. Jean,
Ouais. Michael Jordan, il faisait quoi comme sport par exemple? Juste comme ça. Badminton. Jean, tu vas pas faire ça. Laurence? Du basket. Laurence, c'est le cerveau de la bande. Voilà, vous voyez? Elle répond bien aux questions. Bon, il nous faut un gars aussi qui triche. Si je vous dis les Vikings face aux Titans. Julien? 25-16. Pas mal. Julien, tu seras le tricheur de la bande, ok? Parfait. Jean, toi, tu vas faire le français, ça te va comme activité? Puis, ça me fait déjà chier là, hein. Bah, c'est bon. Fait, continue, t'es parfait dans ton rôle, continue comme ça. Bon, on va commencer l'émission, vous êtes prêts? Fait que là, je vais allumer les micros. Putain, non, je suis nul à ça, il nous faut un technicien. Quelqu'un. Léo, toi? Ouais. Tu fais quoi là? Moi, je m'amuse. Ok, tu t'es allumé un ordinateur? Bah oui. Ok, tu seras technicien de l'émission. Bon, c'est parti. Sur les ondes! Let's get ready to rumble! Y'all ready for this? Donc on est de retour, toujours Alexandre avec Khalil. Donc deuxième mi-temps qui va se mettre en branle sous peu. Les officiels qui font les vérifications d'usage. Ottawa va prendre possession du ballon, mais ce coup-ci le TS aura le bon dans le dos. Donc est-ce que ça va donner un avantage peut-être pour lancer les attaquants? À voir, à suivre. Donc Khalil, est-ce que tu as vu les gars pendant la pause? Oui, exactement. Quelle est l'énergie dans le vestiaire là? Les gars sont quand même extrêmement pompés, si je peux dire. Ils veulent faire une vraie différence en partant. Ils sont bien entendu extrêmement déçus de leur première mi-temps, mais ils sont quand même extrêmement concentrés. Puis ils veulent vraiment aller chercher une victoire tout de même. Et voilà, ce qui est fait en première mi-temps est fait. Maintenant, c'est 10 contre 11, c'est 0-2. Le test doit trouver une façon de revenir dans ce match. On a passé d'un système à 4 défenseurs, un système à 3 défenseurs, tout simplement à 3-4-2. Donc on sait que l'entraîneur veut aller chercher des buts, donc ce n'est certainement pas fini du côté des ou en général. Est-ce qu'on a des nouveaux joueurs sur le terrain? Je vois le numéro 11, est-ce que c'est Gabriel Chénier? Oui, exactement. En fait, on voit Gabriel joue comme milieu central avec Alex.
puis on voit Jean-Cédric et Omar comme attaquants, les deux en pointe. Donc, comme je le disais plus tôt, l'entraîneur était là avec une formation pour marquer des buts. Puis, dans le fond, le test n'abandonnera certainement pas. Gabriel Chénier qui a peut-être deux options en avant. Russie, est-ce que ça passe? Ah! Il y avait l'occasion déjà là, une première alerte à la deuxième minute là, de la deuxième mi-temps. On voit le gardien, hein, va prendre tout son temps à chaque fois. On peut s'en attendre. On va vouloir écouler les secondes au Ottawa. C'est vite pour le ballon. Quelques changements aussi au niveau d'Ottawa. Malheureusement, on est peut-être moins bien placé pour vous en parler. Oh, ces formations-là, portées par les GGs, feront une différence dans ce match également. Oui, mais en fait, on voit quand même que les joueurs clés sont encore là, c'est-à-dire le numéro 7, Tilly, le numéro 10, qui est l'armeneur du jeu, qui a probablement le ballon, puis le défenseur central, le numéro 7, qui sont quand même toujours en place. Bien entendu, l'entraîneur d'Ottawa prendra certainement pas de chance en les faisant sortir, puisqu'il sait la force d'attaque que les Piranhas ont. Oh, ce sera ici. Qu'est-ce qu'on a? On a une faute autorisée par Thomas Favre qui discute avec l'arbitre, donc ce sera quand même un coup de pied dangereux ici. Donc on va y aller. Clément décide d'aller avec un mur à trois joueurs. Le reste de la défensive sont dans la zone. On a Gabriel Chemin qui est tout petit. Voilà, le ballon qui rentre. Ah, deuxième point. Ah, c'est le but. On va le concéder à Ottawa. C'était très bien joué par contre. Un ballon au deuxième poteau qui était rentrant. Donc c'est Jesse qu'on a dit qui en a profité pour s'isoler derrière la défensive statique des Piranhas qui a regardé passer le ballon malheureusement. Il y avait un chandail blanc à l'arrière. Bien redirigé du ballon. Impossible pour Clément de pouvoir arrêter ce jeu. C'est maintenant 3-0 pour Ottawa. Un centre parfaitement fait. Il faut revenir au deuxième poteau. C'est quelque chose qui peut être meurtrier sur ce coup-là, malheureusement, ça donne. La tâche qui s'alourdit là, du côté de l'ETS, rien n'est joué encore, mais Ottawa prend un très sérieux avantage sur cette rencontre. On va voir c'est quoi l'énergie que l'ETS peut dégager. On va devoir jouer vers l'avant, on va devoir tenter des choses, on va devoir prendre beaucoup de chance. Ici, on a un contact épaule à épaule, bien joué dans le 10, qui est un peu plus physique que Jean-Cédric qui tente de revenir sur lui. Oui, à nouveau! Ok, belle bataille entre les deux joueurs. Alex qui sont peut-être blessés sur le jeu, mais se relève, heureusement. De 3-0, gageons tous ces ballons-là, on va essayer de les jouer profondément. On va seulement profiter de trouver une ouverture, de trouver peut-être une erreur dans la défensive d'Ottawa, façon de récupérer le ballon. Défensive qui, encore une fois, plus, il est très compact. Pas de limite, c'est Omar qui va tirer directement. Je ne sais pas si c'était l'intention, garder facilement avec le pied. Oui, de cette distance-là, en général, un centre serait préférable. De la mettre dans le but. Ben, faut créer, faut être imaginatif, on sait jamais. Exactement. Tir au but, c'est jamais une mauvaise chose. Exactement. Surtout les crampes au cerveau, des fois que les gardiens peuvent avoir dans pas mal n'importe quel sport. Donc, ce n'était pas mal d'essayer. On tente de sortir le ballon à l'aile, malheureusement, c'est manqué. Rentrer de touche pour Ottawa. Troisième but qui sort à l'aile. On est dans le milieu défensif qui lance Timmy, l'attaquant.
Ottawa, Clément ne prend pas de chance sur le ballon. Il y avait Dimitri également qui avait bien couvert. C'est poussé. Est-ce que Khalil, on a un élément sur le banc là, à 3-0 qui pourrait peut-être venir causer une certaine surprise et nous permettre de revenir au pointage? Oui, mais en fait, il y aurait le numéro 7 de l'ETS, Younes, qui serait un élément à considérer, puisque c'est quelqu'un qui pourrait apporter un jeu strictement offensif, comme on le sait. L'ETS a besoin de buts, puis un élément offensif serait quand même bienvenu. Coup de pied de coin ici, dangereux. Encore une fois, un coup de pied rentrant. Et il y a une faute commise par Ottawa. Dans le centre de la DTS. Bon ballon de Clément Etier qui n'est pas en course. C'est ce qu'il faut faire, c'est quelqu'un qui est extrêmement persistant sur les ailes. Faute ici commise par Omar, numéro 5, capitaine de la formation. Ottawa, comme on disait, prend tout son temps avec raison avant de remettre le ballon en jeu. Ici, Luigi qui gagne un ballon, une fois dans la tête, extrêmement fort, sans sang-froid. Oh oui! C'est sur un contact. Oui, on lance. Oh! Le défenseur central, exactement, qui a fait un petit peu d'obstruction, mais de manière légale, si je peux dire. Ça, c'est ce qu'on appelle l'expérience, puisqu'il sait qu'il ne peut pas se permettre de laisser Omar en course toute seule. Donc, il fait un petit peu d'obstruction, juste assez sur la limite, pour que Omar ne puisse pas prendre ça. Est-ce qu'on va réussir à récupérer ce ballon? Oui, c'est bien joué. Omar qui s'assure d'être en jeu. A deux options maintenant avec Gabriel Omar. Ça va jouer directement sur le défenseur. On remet tranquillement le gardien. Oh, on envoie sur Gabriel. Alors, flac l'ETS. On rejoue cette séquence. Mettre de la pression sur le gardien de but. Lorsqu'on a la chance. On va pas s'énerver du côté de Pierre. On doit se calmer, les émotions l'emportent. Et puis, ils devront lui parler. Il y avait faute sur le jeu, je crois bien. Mais... Oui, exactement. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement combatif. Donc, il ne baissera pas son intensité, certainement, mais je suis quand même capable. Évidemment, un joueur d'expérience, hein, Ottawa qui reste au sol. Oui, exactement. Comme tu l'as mentionné plus tôt, essaye de gagner le plus de temps possible. Ok, l'arbitre qui donne son approbation. On repart le jeu. Ouais, Ottawa qui gagne beaucoup de batailles de son côté. Donc, il a gagné, il a réussi à remettre. Ballon au pied de Jean-Cédric sur Yoann. On a Armel ici qui fait un appel. On l'a bien vu, on l'a bien vu. Est-ce qu'Armel va gagner sa bataille? Oui. Il va être premier, il a entouré de deux blancs et il gagne la touche. Dans cette circonstance, il n'y a pas beaucoup d'autres options pour Armel. Ok, une touche profonde. Est-ce que le TS peut créer? Luigi qui remet tout simplement en bas.
Ah, bien passé à René Alex, c'était une pression arrière. Ottawa n'hésite pas à rapatrier son attaquant dans sa zone défensive. On peut voir les 10 joueurs de champ. Ottawa était dans le premier 30 verts, donc c'est quand même. Ottawa ne veut pas prendre tête de chance, puis n'hésite pas à vraiment faire revenir ses ailiers puis son attaquant en défensive. On va appliquer la pression sur le gardien, c'est aussi le calme de le ballon. On relance tout de même rapidement. Alors, en plein contrôle du ballon, on circule défenseur gardien. Gardien qui a pris la pression, j'ai créé une erreur. Là, ça va permettre au Piranha de reprendre le ballon. On rentre touche par devant. Joue sur Gabriel. Let's go! Johan, qui va y aller? Sur un coup de pied arrêté. On peut surveiller là. Arpel qui est tout au bout de la surface. On a Dimitri qui est très actif dans le centre. Le ballon qui est lancé, qui va être emporté par le vent. Ben oui, il faut, hein. On approche de la 60e minute, en retard par 3. Les options sont mises. On rappelle, les équipes ont joué deux premières positions au classement. Ottawa devant son ETS que par un point. C'est une belle intervention de la part de Dimitri qui ralentit l'attaquant. On dégage. Est-ce que ça va passer? Donc, il tente de gagner le contrôle. Ça va faire le ballon. Une petite talonnade ici en un tacle. Et oui, on s'en vire. C'est un carton pour Luigi. Son premier du match. Un coup de pied arrêté dangereux ici, c'était exactement de cet endroit, mais du côté opposé du terrain, quand Ottawa a réussi à marquer son troisième but avec un joueur qui s'était isolé à l'arrière de la défensive. Et on regarde le numéro 5, encore une fois, à la même place, toujours à l'arrière, très actif. Exactement, puisqu'il sait que le ballon s'en va fort probablement au deuxième poteau. Non, j'ai au premier poteau ce coup-ci, bien dégagé par Dimitri. Jusqu'au gardien de l'Ottawa. Il va rentrer jusqu'au bout de ce terrain. Alors, c'est vraiment de 3-2, la foule est plus silencieuse. Là, ici, au Collège Notre-Dame. Foule partisane pour l'ETS. Numéro 10 qui se faufile. Bien arrêté par Clément d'un retour. Bien neutralisé par Clément, le gardien qui a son mot à dire dans ce match. En bas, hein, un peu de la pression sur le gardien qui va faire une feinte de dégager au rebond de la défenseur. On sent que chaque course de l'ETS est de plus en plus pénible. Parce que, bien entendu, plus que le match avancé, plus que la fatigue ici, la fatigue à s'installer, c'est vraiment à 10 contre 11.
Il va tenter la frappe, tente de se ramener, tente un petit pied du droit. On va passer tout juste à côté du filet. Ah, belle percée de Jean-Frédéric. Oui, exactement. Balance vers l'avant, on est en mort ici avec Gabriel. Le jeu s'est calmé quelque peu, là. Peu de chance de part et d'autre. C'est évidemment le jeu d'Ottawa, hein. C'est tout à leur avantage de vouloir créer des batailles en milieu de terrain, de fermer les occasions. Oui, c'est que le test, pour eux, c'est un jeu n'avance pas la pression offensive, quand même, extrêmement haute, puisqu'ils veulent quand même aller chercher ce but. C'est pas deux cuisses, là, c'est deux troncs d'arbres. Exactement, c'est un homme qui me forme monsieur muscle avec du cardio. Oui, exactement. Écoutez, on l'a... pour ceux qui l'ont déjà vu pousser de la fonte, assez impressionnant, ce Johan. Ça fait remarquer dans une salle de conditionnement physique, ça fait remarquer sur le terrain. Pas un cabaret typique là, pour le soccer. Et on a hors-jeu ici. La défensive qui était suffisamment montée pour laisser Timmy, le dangereux attaquant d'Ottawa, hors jeu. Qu'est-ce que tout le monde a tenté? Un long ballon au centre. On a marqué là. On a Arnel. Est-ce qu'on a une occasion? Un ballon facile à saisir. Non, exactement. On a vu encore une fois que le ballon s'est tout de même rendu jusqu'au gardien du but. La thèse c'était désavantagé 2 contre 4 et la balance est quand même rendue. Donc il y a quand même beaucoup de positifs sur le jeu de base. Oui, exactement. Le jeu. Frappé d'un coup de tête en lançant le défenseur. On réussit tout de même à le remettre. Alors là, quand on nous dit qu'on a un bloc du côté d'Ottawa, un bel occasion ici, c'est un 3 contre 6. Donc, le test doit être créatif au plus. On a un ballon qui est lancé avant qu'il rentre en contact avec le gardien. Faker! Et là, on marque qu'il se fait descendre à 14 ans. La foule n'est pas d'accord avec le choix de l'officiel. Parce qu'on pense qu'il y a eu un petit plongeon de la part du gardien. C'est faux. Il y a eu contact, ça c'est certain. Est-ce que c'était intentionnel? On peut en douter, mais bon, peu importe. Un carton jaune, tu n'auras probablement pas d'influence de toute façon. À moins d'un autre carton dans le monde, espérons. On est présentement à la 65e minute, c'est toujours 3-0. Les Jays et Garnett qui tentent de revenir. Et là, évidemment, le gardien qui va faire du vent. On a le gardien qui bouge, on va tenter de le placer. Il y a un peu plus loin possible.
ballon qui sont pas oubliés, malgré une pression assez haute. Mais là, on a vu la porte des One. Et puis Clément Etier. Bonne intervention. Yes. Sort le ballon. Pas le choix. Mais en fait, Clément Etier est vraiment sans reproche sur ses interventions aujourd'hui. Honnêtement, jeu décisif de sa part. Ismaël qu'on voit, je crois. Oui, exactement. L'attaquant pointe. Donc, on voit encore que les entraîneurs n'ont pas abandonné sur le fait de marquer des buts. Et puis, ils veulent faire rentrer les forces fraîches à l'attaque. Il y a un carton jaune ici. Ottawa pour avoir conservé le ballon. Oui, exactement. Évidemment, hein, on écoule les secondes. L'arbitre qui sévit cette fois-ci. C'est bien, ça va empêcher le numéro 5 d'écouler le temps de l'autre fois. On ne pourra pas le faire si on se rend effectivement qu'à tomber. Les bleus, comment on gagne? Qui sent son ballon, emporté par le vent encore une fois. Hein. Directement au bout. Donc, deux occasions ici peut-être de faire des centres, de louper un peu du côté de l'ETS. C'est malheureux. Oui, mais en fait, on voit que des deux bords. Il faut dire que jouer au soccer le 13 novembre n'est pas chose facile. Non, exactement, ça n'est pas commun. On n'est pas en plein mois de juin ici, là, puisqu'on est à 24 degrés. On est loin de là, ils sont dans un carton jaune pour Johan, je crois, c'est bien ça? Oui, exactement. Alors, comme on disait plutôt, il ne faut surtout pas s'emporter. Et en signal un changement, qui va rentrer sur cet endroit? C'est Ottawa qui va pouvoir rentrer ce changement? Il semble qu'il y a que les deux équipes vont faire un changement. Les deux équipes d'Ottawa se préparent à rentrer, à donner le dessin, à rentrer le kick pour sortir. Il y a 19 qui quittent bien lentement, il faut le dire. Ouais, exactement. Allez, c'est correct, ça fait partie du jeu. Oui, et l'entraîneur à cette pilote qui fait sortir Omar. Ouais. Maman, écoute, on ne pourra jamais lui reprocher sa passion. Non, exactement. Il est très passionné, il a tout donné pour l'équipe. Ça fait 3 ans qu'il donne tout pour l'équipe. Heureusement, il n'a pas pu concrétiser aujourd'hui. Il faut dire qu'il n'y a, a pas eu beaucoup d'appui avec ce carton rouge. Hein. Il s'est retrouvé souvent seul contre 1, 2, 3, 4 défenseurs. Mon coup de pied arrêté. Ce sera tiré par Ottawa, directement au but, facile, un peu partiellement, sans danger, on a voulu contourner le mur. Évidemment, il attendait le ballon passer. Donc tout près de la 70e minute, 20 minutes à faire, toujours un retour de 3-2 pour les Pyrénées. On veut peut-être rappeler, là, à nos spectateurs, qu'est-ce qui s'en vient pour les Pyrénées. Cette première saison en hausse qui va prendre fin aujourd'hui. Soyons optimistes et disons que le tout n'est pas joué, mais ça... On ne regarde pas bien pour le PS qui vont entamer dès la semaine prochaine leur préparation. Leur saison à 7 contre 7, ce sera leur dernière saison dans le circuit universitaire 7 contre 7. Donc 5 équipes universitaires vont disputer ce championnat. Le 7 contre 7 se joue très rapidement, c'est un jeu très différent. Il se joue à l'intérieur exclusivement. La saison va commencer le 11 décembre. 3 affrontements pour le PS. Dans ce réseau, ne croiseront pas Ottawa. Ils vont aller jouer en Ontario cet hiver. Ils vont poursuivre leur préparation, plus dans une ligue civile d'hiver. Mais par contre, gageons que ces deux équipes vont se retrouver l'année prochaine, encore une fois, dans ce championnat universitaire du jour 2 qui va gagner en popularité, j'en suis certain. Bon, Johan, troisième occasion. Centrer le ballon. Oui, puis on voit que le DS n'est pas. Envoyer ses joueurs à l'avant. Sur le mur. On remet Ismaël. On a un pied haut ici. Bien vu dans le ciel. Je n'ai pas eu le choix d'appuyer cette fois.
provoquer un contre encore une fois. Le très fiable numéro 5 d'Ottawa, Jesse, sort le ballon touche, permet à ses défenseurs de se replacer. Quel bloc la défenseur d'Ottawa, faut leur lever le chapeau, leur donner le crédit. Oui, exactement. Ça fait maintenant 72 minutes tout près qu'ils écoulent, qu'ils étouffent la défensive de l'ETS. Ce n'est pas mauvaise en plus. L'ETS qui a été l'équipe qui a concédé le moins de buts dans cette ligue universelle, donc une équipe très compacte défensivement, surpris du contraire. Oh! Un joueur qui fait son entrée ici. Oui, exactement, ça semble être Amin qui soit rentré. Bon, des jambes fraîches pour terminer la partie. Oui, exactement, puis un changement offensif encore une fois. Encore une fois. On veut aller chercher ce fameux but pour éviter le blanchissage. Bon, ce sera un coup de pied de coin. Voyons voir ce que les Piranhas peuvent faire sur les coups de pied arrêtés également. C'est tiré bas, directement sur Ismaël. Oh, et ça, on a vu, hein, les jambes fraîches d'Amin, c'est bien ça? Oui, exactement. J'ai réussi à couper cette relance. On dégage le ballon dans le garage. Il n'y avait pas de bleu. Il n'y avait pas de bleu pour redresser. Non, ici, on s'aperçoit que, comme que Omar est sorti, c'est Dimitri qui prend le brassard de capitaine. Le joueur de dernière année va compléter sa maîtrise en junior aérospatial. Il va nous rester le championnat à 7. On va avoir envie de faire sa route pour les terrains. Il va continuer à la rendre pendant la session d'hiver, soyons confiants. Oui, il gagne son duel. Exactement, au but de la part de Thomas Bécard qui force le numéro 10 à aller faire la faute. Encore une fois, Thomas, ils ont joué impressionnant en tant que défenseur, puisque c'est pas son poste habituel. Ottawa qui attaque sur le flanc droit. Est-ce que ça passe? Non, oh, bien dégagé par Dimitri. Bien arrêté pour Clément. Il amende le ballon immédiatement. La foule qui veut un but. On veut un but pour le TS. Tente de trouver le défenseur, on veut lancer un avance en Cédric. On n'a plus les jambes pour aller chercher le ballon. Ottawa qui va faire des changements, encore une fois. On s'assure d'amener des éléments qui vont nous aider à préserver le pointage. Ça fait couler également des secondes. Ouais, bien sûr, exactement. Puis on pensait, si je me trompe pas, c'était un triple changement. Oui, quand même, assez rare qu'on voit ça au soccer, mais on le rappelle. Nombre de changements beaucoup plus grand dans cette ligue. Les équipes doivent jouer des matchs en deux jours. Oui, exactement. En fait, c'est le nombre de changements permis de 6 sur le jeu et à la mi-temps, c'est illimité. Ah, merci Khalil pour cette précision. Minutes à faire dans ce match final. Les GGs qui ont pris un sérieux avantage sur cette rencontre avec 3 buts d'avance. Le test qui dit toujours pas inscrit au pointage. Oui, mais en fait, on vient de voir les forces fraîches. Qu'est-ce que ça fait puisque l'attaquant de Ottawa vient de bloquer le dégagement de Clément. Heureusement, la balle est sortie en touche. Oh, oui, là, une fois qu'on l'a bien vu tout près de nous, c'est passé. Sur le coup à l'arrière.
Thomas qui centre. Oh, beau ballon. Et la défensive d'Ottawa n'a pas le choix que de sortir derrière la ligne des buts. Très beau ballon de Thomas ici. Il avait réussi à isoler un 2 contre 2, ça revient plus. Bien joué par Ottawa qui sort le ballon dans un coup de coin. Qui va être pris par Gabriel Chenier? Est-ce qu'on va pouvoir utiliser la grandeur d'Ismaël? Oui, mais en fait, c'est une de ses forces aussi, hein, les coups de coin. C'est joué direct. Et là, on va sortir du côté d'Ottawa, on ne se pose pas trop de questions. Beaucoup de chance à prendre. Son jeu par Gabriel, est-ce qu'on va tenter de jouer un peu plus haut pour permettre justement une tête d'un de nos joueurs? C'est le cas. Près du but. Belle confrontation. Johan qui reprend l'extrémité, recentre le ballon, c'est une déviation. Ça manque le corps. Ouais, pas facile de trouver ces ouvertures. Il y avait beaucoup de joueurs des lignes de part et d'autre. À la surface. Chaque ballon est en train de discuter. Faut-il y aller vers l'arbitre? Mathias reprend. En milieu de terrain. Oui, puis encore une fois, on voit qu'il y a beaucoup de joueurs et Piranha qui montent. Est-ce qu'on peut aller chercher le but? Ouais. Pas le choix. Pas le choix. Avec le vent dans le dos, Thomas s'exécute, ça va se rendre directement au filet. La force du vent, Cédric n'a pas pu s'adapter puisque le vent a propulsé le ballon. Donc pour une tête, c'était extrêmement difficile. Ouais, tout à fait. Bah, même si on a une journée ensoleillée, c'est quand même pas des conditions difficiles. Il fait pas si chaud que ça. C'est plus chaud qu'hier, mais ce n'est pas quand même un 20 degrés confortable, très venteux. Le vent est de ouest en est. Puis surtout l'élévation aussi, on était un petit peu plus haut qu'à l'habitude ici à la ville de Montréal. On est sur le bord de la montagne, donc on voit les conditions climatiques qui changent aussi. Rentrée de touche pour Ottawa. Bon, on va procéder à un autre changement. On en profite. Oui, puis on voit deux joueurs de l'ETS qui s'échauffent très lentement. Donc, on va voir si l'entraîneur va aussi faire fort probablement. Parce qu'on voit le joueur enlever son brassard. Et oui, il enlève sa pièce. De loin, c'est difficile à dire. Pas facile d'ici. Hein? Non, c'est ça, exactement. On verra sur le terrain, ce sera plus évident pour nous. Oui, exactement. Ça semble être Marc-Olivier, à premier round. On verra plus tard. Pour Amine. Le succès est monté, Thomas qui reprend. Veut créer, ça va loin du côté droit. Centre intercepté par contre. Peut-être une chose ici qu'on a remarqué qu'elle est dans la partie, là, les manquait beaucoup d'occasions de centre du côté de l'ETS. Oui, exactement. Des ballons qui ne lèvent pas. Exactement, qui sont quand même assez faciles aux défenseurs centraux de les reprendre puis de les dégager. Donc c'est sûr que c'est un élément qui n'a certainement pas aidé. On a un joueur sur le terrain ici, c'est le capitaine Dimitri Laquet, qui semble souffrir. Oui, et puis on voit qu'il y a un double changement qui semble s'effectuer du côté des Piranhas. Oui. Ah, c'est Jean-Cédric, on le sentait venir, hein, on n'a plus de jambes. Non, exactement, on a connu quand même un match intense et physique sur le côté droit. Oui, il a très bien fait, mais après 80 minutes de course intense, là, on peut comprendre. Et on a Thomas également. Le très efficace Thomas qui va céder sa place. Oui, donc
le fond, c'est le côté droit qui change, puisque ouais. Anas rentre pour le côté milieu droit, et puis c'est Marc-Olivier qui rentre comme défenseur. Donc. Anas a marqué un but hier, je crois. Oui, exactement. Non, pardon, ce n'est pas Marc-Olivier, c'est Amine. L'autre Amine, il y a deux Amine. Exactement, lui c'est Amine Remal qui rentre en tant que défenseur droit. Alors, qu'est-ce que c'est déjà pour emporter un Canas qui est autant de lui en défiant, comme je disais plus tôt. Il veut se donner un option, puis ça va dans le centre, mais le ballon est un peu derrière lui. Luigi, notre Italien, est toujours aussi fiable, gagne sa bataille 1 contre 1, tente de dribbler. En fait, on voit ça en sang-froid, hein, pour des duels. Ouais. Là, avec trois joueurs de ballon, ça va être un petit peu plus compliqué. Là, on veut lancer défenseur. Intervention du gardien. Encore une fois, Clément qui sort de manière efficace. Bon, qu'est-ce qui se passe? Une petite confrontation entre l'attaquant et le gardien. On peut sentir l'animosité qui lève, c'est normal, hein? Ouais, exactement. Puis, comme on voit, les défenseurs n'aiment pas que les attaquants touchent à leur gardien. Bon, mais là, notre gardien, la différence, c'est qu'il semble vouloir se défendre par lui-même. Mais là, on a calmé les esprits au niveau des entraîneurs. Chef qui va s'entendre avec Clément qui va être suspendu dans le carton jaune. Carton qui encore une fois va avoir un peu d'incidence sur la partie. Donc Clément semble n'être pas satisfait de l'attaquant, le numéro 22 du Batarois, qui semble gêner énormément. On reprend le jeu. Ici, le numéro 3. Il y a des options au centre. Est-ce que les options sont pas au jeu? C'est bon qui sort. Oui, et puis ici, on vient de voir un beau positionnement de la part d'Amin Remal qui a quand même bien défendu face au numéro 10. Un travail de zone efficace de sa part, ce qui a permis à Clément de garder le ballon. Le ballon qui est transporté par le vent complètement. Ballon au centre pris par Ottawa, contré par l'ETS. On a Amine, Bougabi celui-ci, qui tente de trouver de l'espace, trouve Gabriel qui redresse vers le filet. Il n'y a personne pour compléter. Est-ce que c'est un tir, est-ce que c'est un centre? Il me semble que c'est un tir. Essayer de surprendre le gardien. Ouais, c'est bien tenté. Gabriel justement, peut-être qu'il savait. Il y a des changements qui ont été apportés, il voulait créer une occasion tout juste avant. Qui rentre? C'est Younes qui sort là. Younes qui rentre, pardon, à la place de Alex qui sort. Donc, je crois que l'entraîneur des Piranhas voulait faire jouer le plus de joueurs possible. Et il me semble bien que tous les joueurs sur la feuille de match auront participé au match de match. Ouais, mais écoutez, il faut être réaliste. À la 85e minute, on se doute du résultat maintenant de la finale. Les GGs qui vont sortir champions de cette partie. Les Piranhas ont donné une bonne opposition à 10 contre 11. Ils n'ont pris qu'un but alors qu'ils évoluent à moins d'un joueur depuis 60 minutes au moins. Malheureusement, le départ canon d'Ottawa qui a profité de deux revirements. Deux contre, ça va faire mal aux Piranhas. Pas plus en remettre. Alors je vous laisse avec Khalil pour cette fin de match. Je vais me préparer pour ma part pour la remise de la bannière à l'équipe championne. Donc je vous souhaite une bonne fin de match. Merci d'avoir été à notre écoute. À toi Khalil. Parfait. Vous aussi, quand on essaye d'imprimer pour le milieu, il faut que l'intensité.
Let's go les boys! Au centre de la part de Johan et le gardien manque le ballon. Ça aurait pu être une excellente occasion pour le DS. Les gars semblent être très défensivement, ils ne relâchent pas la pression et s'appliquent bien du côté. Notamment par les changements effectués des deux bords. Comme on le disait tantôt, le TS a fort probablement utilisé toutes ses joueurs sur le banc et les GGs également, fort probablement. Troisième minute ajoutée.
de publication craignent contre-attaque de l'autre des GGs. Et voilà un beau jeu défensif de la part de Luigi. Et voilà cette fin de match. Donc, un fin de match remporté par les GGs de l'Université de l'Ottawa sur la manche de 3-0. Vous avez écouté la radio Piranha. Merci beaucoup et passez une bonne journée. Au revoir. La marque finale, le TS qui s'incline 3-0 dans un revers contre le GG d'Ottawa, malheureusement, qui a joué très fort en début de première mi-temps. Elle a marqué des points. On rappelle que le TS a joué à 10 contre 11 pendant plus de la moitié du match, donc plus des trois quarts du match à 10 contre 11. On va faire une belle performance malgré les circonstances, mais fin à leur saison. Et quand même une belle deuxième place. C'est pas l'endroit qu'on veut terminer, mais on va le prendre de toute façon. Donc sur ce, on vous dit à plus, à la prochaine. Et c'est ça.